Donc je la présente d'elle d'abord, c'est Sandy, aka la petite chippie. Là je vous présente Christelle. Alors moi c'est Amine Kebir. Alors bonjour, moi c'est Enzo Miserandino. Riyad Ben Rediem. Moi je m'appelle Adèle Kebir. Je m'appelle Selim. Philippe Loni. C'est elle. Non mais y a pas débat, y a pas débat. Non, bah, je mange tout ce qui passe devant moi en fait. Moi voilà, malheureusement, des burgers, des pizzas, je suis très très faible par rapport à ça. C'est toi. C'est faux. C'est lui, c'est lui. C'est qui qui arrive en retard? J'ai déjà promis. C'est qui est en retard la semaine dernière qui est arrivé? C'est qui envoyait des coachs, des messages dans le groupe? Ouais, j'avais un peu de retard. Ah non, c'est pas moi. J'ai honte, j'ai honte de le dire, mais c'est vrai, c'est moi. Quoi qui me fait un peu de concurrence ces derniers temps quand même. Hein. Ces derniers temps, tu c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Avec le boulot, c'est un peu compliqué. C'est vrai que ben, voilà, on travaille, etc. Donc malheureusement, c'est dur des fois de concilier les deux. Mais j'ai ce truc qui fait que je suis tout le temps en retard. C'est dans mes gènes et voilà. Moi, je dirais elle. Moi, je dirais elle. Je sais pas, on sait pas en fait, parce qu'on est toujours avec les mêmes. on les connaît depuis. Moi je suis marié, moi, c'est fini les filles. C'est Enzo qui a la cote. Non, ça va, ça va. Enzo, il a la cote, Enzo. Il est toujours coiffé, voilà. Coupe au gel pour venir à l'entraînement. Non, c'est. Toujours frais, Enzo. Faut, comme je redis, bah, faut prendre soin de soi, quoi. Toujours être. toujours être bien, quoi. C'est Adèle, c'est Adèle. Chaque fin d'entraînement, la petite photo dans le miroir, à oublier, à toujours. Pour les réseaux, pour les réseaux. Il alimente tous les jours. Et elle. Mais c'est pas du narcissisme. Non mais qui se regarder, c'est tout. Et elle regarde ses cheveux, et elle regarde son short, et elle regarde si, et je suis pas comme si, je suis pas comme ça. Donc c'est bien elle. Ouais. Moi je dirais moi. Quand même. Là, tu penses? Ouais, ouais, ouais. Ouais, un peu plus que toi quand même. T'es pas un grand bavard. Elle. Ben, elle a toujours quelque chose à dire. Non, mais après, c'est pas dérangeant, mais elle a toujours quelque chose à dire. Toujours blablabla. Elle va se faire gronder à l'entraînement parce qu'elle parle. Ah, ça c'est mieux ça. J'avoue. <C'est vrai. rire> On n'est pas feignants. Bah non. Tout. On n'aime pas les feignants justement. Non, mais c'est en fait moi quand je m'habille, je prends le premier vêtement qui me tombe, je les mets ensemble, ça va pas, c'est pas grave. C'est ah mais elle aussi hein. Non mais elle me pointe du doigt, mais elle m'appelle au téléphone, elle me dit tu nous prends un petit champagne comme ça. Le voici. Ouais. Il aime beaucoup les arrosoirs. On aime bien les fêtes, mais pas d'alcool, rien du tout. On a un corps de sportif, on le garde. Il s'arrose à l'eau. À l'eau. À l'eau chaude. C'est lui. La tête de l'homme, c'est lui. Ah, on fait les abdos à la fin, il me regarde, il fait des grimaces, tout. Il fait le coup des petits trucs comme ça. Après, moi, je suis mort. Après, je me mange des pompes, sa faute et tout. Alors, si on dit qu'on aime les années 80, on va dire que tous les deux, on a des goûts musicaux. Voilà. On a des goûts musicaux. Il y en a pas. Il y en a pas. Il y en a pas. Pourquoi? Parce que, voilà, nous, on part du principe qu'on se dit tout, voilà, sans filtre, sans tabou, quoi. Voilà, il y a quelque chose à dire, on se le dit, et puis en fin de compte, c'est dans le plus naturel possible, quoi. Ouais, je pense que c'est moi, parce que Enzo, il veut faire la guerre dès le premier round. Enzo, il commence fort tout le temps, dès le début. Il a pas le temps. Franchement, c'est la bagarre directe. Hein. Lui, c'est la bagarre directe. Hein. Et carrément, j'ai une anecdote. Il y avait un jour, il y avait une compétition. C'était la minute de repos, deuxième round, lui, archi énervé, il dit au coach, vas-y, remets-moi une prothèse tibia, je vais le tuer, nanani. Voilà, on était morts de rire. Ah, c'était pas mal. Il était vénère. C'est moi. Akamonk. Donc du coup, le maire a qu'à bien se tenir.
Aucun des deux. Ça reste à voir. Aucun des deux. On ne sera pas KO. On sera pas KO. On sera pas KO. Ce qu'on cherche, c'est à mettre les KO. Voilà. On sera pas KO, on fera tout pour ne pas l'être. Rendez-vous le 10 juillet. Au VBS 3 à 18.